L'ours noir est une espèce d'ours de taille moyenne, très commune dans les forêts froides ou tempérées d'Amérique du Nord. Il est généralement très intelligent. L'ours noir, aussi appelé baribal, est l'ours le plus commun en Amérique du Nord. Il se rencontre dans une aire géographique qui s'étend du nord du Canada et de l'Alaska au nord du Mexique et des côtes atlantiques aux côtes pacifiques de l'Amérique du Nord. Il est présent dans un bon nombre d'États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Il préfère les forêts et les montagnes où il trouve sa nourriture et peut se cacher. L'ours noir mesure généralement entre 140 et 200 cm de longueur. Sa taille au garrot est comprise entre 100 et 120 cm. L'ours noir est plus petit que l'ours blanc et l'ours brun. Sa masse dépend de l'âge, du sexe de l'animal et de la saison. En automne, l'ours noir grossit et fait des réserves de graisse afin de passer l'hiver. Les femelles pèsent entre 40 kg et 180 kg, alors que les mâles font entre 115 et 275 kg. Un mâle de 400 kg a été trouvé dans le comté de Craven en Caroline du Nord. L'ours noir n'hiberne pas au sens strict, mais passe l'hiver dans un état de somnolence en vivant sur ses réserves de graisse accumulées pendant l'automne. Il est omnivore, même si son régime alimentaire est dominé par les végétaux. Contrairement aux idées reçues, l'ours noir est un bon nageur et il grimpe facilement aux arbres pour échapper à un danger. La couleur du pelage varie du noir au blanc, en passant par de nombreuses nuances. Chocolat, brun, cannelle, blond sont des couleurs plus fréquentes dans les forêts de l'Ouest américain et du Canada que dans les régions de l'Est. L'ours noir possède de petits yeux généralement de couleur noire ou marron, des oreilles arrondies, un long museau pointu de couleur brune, des naseaux allongés et une queue relativement courte. Sa vision n'est pas particulièrement bonne, mais les expériences montrent qu'elle lui permet de distinguer les couleurs. En revanche, son ouïe et son odorat, cette fois plus affûté que celui d'un chien limier, sont très développés. Sa langue agile et ses lèvres mobiles lui permettent de manger de petites baies et des fourmis. Enfin, son profil facial droit et son museau pointu le différencient du grizzly qui vit aussi en Amérique du Nord. L'ours noir est en outre plus petit et ne possède pas de bosse entre les épaules. L'ours noir occupe un espace compris entre les régions septentrionales de l'Alaska et le Mexique. Il est réparti sur seulement trois pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada, alors qu'il comporte deux fois plus d'individus que toutes les autres espèces d'ours connues. Malgré leur taille et leur masse, les ours noirs sont étonnamment agiles dans leurs mouvements. Ils se déplacent en fonction des saisons pour rechercher leur nourriture. Ils grimpent facilement aux arbres pour échapper aux dangers, grâce à leurs muscles dorsaux puissants et à leurs griffes.
peuvent courir jusqu'à 55 km par heure. L'ours est un animal plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche en posant entièrement la plante des pieds sur le sol. Il utilise la démarche à l'amble. Il est en outre un excellent nageur et est capable de traverser un lac pour rejoindre une île. L'ours noir est la plupart du temps un animal solitaire sauf pendant la période de rut et dans la relation qu'entretient la mère avec ses oursons. Les ours peuvent se rassembler occasionnellement dans les zones d'abondance alimentaire. Ils sortent généralement le jour, sauf dans les secteurs où il y a beaucoup d'humains, ils préfèrent alors la nuit pour les éviter. Contrairement aux idées reçues, les attaques d'ours noirs contre les humains sont rares. Moins de 36 attaques mortelles ont été recensées tout au long du 20e siècle. Si la femelle grizzly n'hésite pas à défendre ses petits, l'ours noir ne s'en prend pas aux humains pour protéger sa progéniture. Les mâles griffent et mordent les arbres pour communiquer pendant la saison de l'accouplement et peut-être pour marquer leur territoire. Ils se grattent le dos sur les arbres. Ils utilisent également leurs odeurs. Ces territoires varient entre 20 et 100 km et couvrent ceux de plusieurs femelles. En cas de menace, les mâles griffent et mordent les arbres pour communiquer pendant la saison de l'accouplement et peut-être pour marquer leur territoire. Ils se grattent le dos sur les arbres. Ils utilisent également leurs odeurs. Ces territoires varient entre 20 et 100 km et couvrent ceux de plusieurs femelles. En cas de menace, les ours poussent des plaintes. Les oursons émettent des cris ressemblant à des pleurs lorsqu'ils ont peur. Les adultes claquent des dents lorsqu'ils sont effrayés. L'ours noir communique également par des expressions faciales et des positions particulières. Lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière, c'est pour flairer un danger, une odeur intrigante ou avoir un meilleur point de vue. Les ours noirs figurent parmi les mammifères les plus intelligents. Ils sont souvent dressés pour réaliser des numéros de cirque. Leur cerveau est relativement gros comparé à la taille de leur corps. Les ours noirs passent l'hiver dans un état de somnolence, cela signifie qu'ils peuvent réagir à une attaque d'un autre animal. Lorsque les jours diminuent, ils sécrètent une hormone qui agit comme un somnifère. Leur rythme cardiaque passe alors de 50 à 10 pulsations par minute. La température du corps diminue légèrement, moins de 31 degrés Celsius, soit 6,8 degrés Celsius en dessous de la température corporelle d'été, car leur masse est imposante, ils perdent donc moins facilement leur chaleur que les petits mammifères qui hibernent. Ils passent tout l'hiver sans manger, ni boire, ni uriner, ni déféquer et ressortent au printemps. Cet état de dormance dure de 4 à 7 mois entre octobre et mai. Cette durée varie en fonction du climat. Plus l'hiver est long, plus la période de somnolence se prolonge. Aussi, celle-ci n'existe pas dans les régions du sud sauf pour les ours enceintes. Un ours noir peut perdre jusqu'à 30% de sa masse pendant l'hiver. Les ours noirs sont omnivores. Les végétaux représentent 75% de leur alimentation. Ils mangent des graminées, des herbes, des fruits, noisettes, noix, baies, pignons, fruits d'églantier, pommes, des glands et des fennes.
Ils mangent également, de temps en temps, des insectes, des larves, des poissons et des charognes. Il leur arrive de chasser des mammifères. Ils sont opportunistes et mangent parfois dans des poubelles et d'autres restes de nourriture laissés dans des campements. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle entre 2 et 9 ans contre 3 ou 4 ans pour les mâles. L'ours noir mène une vie essentiellement solitaire, sauf pour le lien étroit qui unit la femelle à ses petits et durant l'accouplement qui a lieu à l'époque du rut, soit en juin ou au début de juillet. Alors que le mâle continue de grandir jusqu'à l'âge de 7 ans, la femelle cesse de se développer plus tôt. Les ours noirs s'accouplent tous les 2 ou 3 ans environ au cours des mois de mai et juin, et jusqu'en ou dans les forêts de feuillus de l'Est. Les oursons naissent de la fin novembre à février, donc de 5 à 8 mois après l'accouplement qui se fait entre le mois de mai et de juin, dans la tanière. Chaque portée compte en moyenne un ou deux ou trois oursons et jusqu'à 6 dans l'Est des États-Unis. Seules les femelles en très bonne santé donneront toutefois naissance à plus de 3 oursons. La quantité de nourriture présente dans l'habitat déterminera donc essentiellement la probabilité de mise bas et la grosseur des portées. Ils pèsent chacun entre 200 et 450 grammes, en moyenne 350 grammes. Comparativement à d'autres mammifères, cette masse est très faible par rapport aux 70 kg de la mère. Les petits mesurent 15 à 20 cm à la naissance. Les petits viennent au jour sans poils, avec les yeux bleus et sont aveugles. Ils sont nourris au lait maternel et tenus propres dans la tanière pendant l'hiver. Les femelles allaitent en position assise. Ils ne quittent leur mère qu'à l'âge de 16 ou 17 mois, parfois 29 mois. Leur survie dépend de l'aptitude de la mère à leur enseigner à chasser et à trouver un repère. La mère apprend à ses oursons à grimper aux arbres pour échapper aux prédateurs. Elle s'occupe aussi de la tanière qui permet de passer l'hiver. Il faut beaucoup d'énergie pour allaiter et élever des oursons, et les femelles en mauvaise santé pourraient être incapables de se reproduire. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.